Que je me barre de cette plage. Seb ! Seb, tu m'entends ? Peut-être plus haut, le long du rivage. Ok. Chaque chose en son temps. D'abord, prendre de la hauteur. Règle numéro 1. Prendre de la hauteur, savoir où on est. Sam, allez, réponds-moi ! Génial, notre caisse de vivres. Ah, c'est... Évidemment. C'est vide. J'y pense, c'est peut-être Sam qui a tout pris. Faut voir le côté positif. Je ne peux plus rien perdre.
commence à me parler, c'est le premier signe de la folie. Bordel. Ok. Je vais bien. Je vais bien. Oh merde. Ça va passer. Ça va passer. Bismania. Sam. Allez. Où est-ce que t'es ? Yeah.
Non, non. Allez, allez. Non, 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 non. Très rassurant. Wow, 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 wow. Tiens,
Ah, salut. T'aurais pas vu passer un type par hasard? Plutôt grand, maigre et assez bête. Pour chercher un trésor de pirate. Attends, t'essayais de grimper là-haut? Avec ses bottes? Je suis sûr que t'as pas besoin de ça. Ouais, ça marche. J'y suis presque. Laissez tomber les gars, fausse alerte. Mais restez sur vos gardes. Alors, on y va. Hmm? Merde. C'était quoi? Alors c'est lequel qui t'a repéré? Ah. Bon, très bien. Oh!
Alors, et maintenant ? C'est quoi ça ? Waouh, c'est sinistre. On dirait que l'équipage de Burns a eu autant de chance que moi avec ce trésor. C'est pas mal. Oh non. Non, non, non. Non, c'est pas vrai. Oh non. Non, non, non. Oh la vache. J'ai failli te faire sauter le crâne. Sam, tout va bien? Ouais. C'est qu'un petit pépin de rien du tout. C'est cool de te revoir en vie, petit frère. Allez, viens. On a un trésor à trouver. Je te trouve bien pressé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Comment ça ? Je te signale que notre matériel a sombré au fond de l'océan Indien. Eh ben, pourquoi on n'irait pas se servir dans l'équipement de Nadine ? Puisque t'en parles, on fait face à toute une armée. On s'en est pas trop mal sorti jusque-là. Bah, on est quand même paumé au beau milieu de nulle part. Précisément là où on voulait se rendre. Sauf qu'on avait un plan pour s'en sortir. Ok. Bon, écoute-moi. Je te fais une proposition. Et si on descendait et qu'on allait voler un des bateaux de Rafe ? Les bateaux peuvent attendre. Tu sais pourquoi on est venu ici ? Pour pouvoir me racheter une vie. D'accord ? Et pour ça, on va s'aventurer dans cette putain de jungle et retrouver Libertalia. Mais est-ce que t'as repéré quelque part des vestiges d'une colonie de pirates ? Parce que moi, j'en ai pas vu. Il est un peu tard pour exprimer des doutes, tu crois pas ? Mais est-ce qu'on pourrait pas au moins envisager la possibilité qu'éventuellement l'utopie secrète d'Avry n'ait pas vu le jour comme prévu ? Et peut-être qu'on s'est laissé emporter par cette histoire fantastique, alors qu'en fait, on devrait chercher un véritable moyen de te sauver. Je vais passer cette île au peigne fin, centimètre par centimètre s'il le faut, jusqu'à ce que je trouve ce trésor. Alors, si toi... Tu sais plus pour quelle raison tu es venu jusqu'ici. Je te retiens pas, Nathan. Attends, attends, comment ça tu me retiens pas ? Tu te fiches de moi ? T'as une idée de ce que ça m'a coûté de t'amener jusqu'ici ? Et moi, tu sais ce que ça m'a coûté ? Hein ? Ça m'a quand même coûté 15 non, longues années de ma vie. Ça n'a rien à voir avec ça ! Si, ça a tout à voir avec ça. Quoi ? Regarde-moi ça. Tu veux toujours rentrer, petit frère ? Allons voir si on trouve autre chose.
Alors ça, c'est incroyable. Ah, c'est un bon début. Il n'y a plus qu'à espérer que le reste n'est pas enseveli sous des siècles de caillasse et de poussière. Un peu d'optimisme, c'est trop demandé. Sam, là-haut. Allez, j'arrive. Ah, y a personne. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Réparer le toit ne serait pas de trop. Ce serait bien s'il pouvait pas nous tomber sur la tête. Sam, par ici. Ok, c'est bon. Allez, par là. Oh, vous êtes poussière. Ramper, c'est un super exercice pour les quadriceps. T'as vu cet endroit? C'est loin d'être une paillote. Claire, on voit que c'est un véritable travail de maçonnerie. Je veux bien, mais d'où ils venaient, ces maçons? Dans un équipage, il n'était pas rare de voir de bons charpentiers, des tonneliers, mais pas des maçons. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un appareil de... Bah, on en a un. Oh, mais arrête, tu déconnes. Non, je te jure. Il est dans le bateau avec le reste de nos affaires. Oh, merci. Oh, ça fait du bien de pouvoir s'étirer. Ouais, tu l'as dit. Cette caisse me donne une idée. On y va. Attention! Ok, on progresse là. Bordel de merde. Je crois que tu devrais venir voir ça. Des rues très larges. Une sorte de zone industrielle à l'abandon. Hey, merci pour cette info, Nathan. Allez, qu'est-ce que tu vois? Tu veux juste me l'entendre dire, c'est ça? Mais oui, je veux vraiment te l'entendre dire. Ouais. Libertalia. Oh.
Libertalia, la grande utopie des pirates, la ville perdue légendaire, découverte plus de 300 ans plus tard par l'illustre Samuel Drake. Et son idiot de jeune frère, légèrement moins charmant, qui lui collait au train depuis la nuit des temps. Tu sais, j'ai toujours su qu'on ferait quelque chose de toi. Je sais pas si tu sais, mais j'ai déjà fait ça avant. Laisse-moi profiter de l'instant. Alors, par où on commence? Qu'est-ce que tu dirais de ce bâtiment là-bas? Oh, tu parles de celui avec les tours de garde? C'est ça. Justement, on devrait aller voir ce qu'elle gardait. Allez, c'est parti. Oh, oh, ça me laisse sans voix. Putain de bordel de merde, Nathan! C'est ça que t'appelles sans voix? Tu crois qu'il leur a fallu combien de temps pour construire tout ça? Des années. Des décennies, même. Comment est-ce qu'ils ont réussi à garder ça secret pendant si longtemps? C'est juste que cet endroit, sans parler du trésor, c'est quand même une sacrée découverte. Seulement Alcazar voyait ça comme ça. Tu peux pas te contenter d'admirer, non? C'est trop demandé. J'admire. Mais on a un objectif, t'as pas oublié? Ah ça, je vois pas comment je pourrais oublier. C'est tout ce que je voulais dire. C'est noté. Hey Sam, vise un peu ça. C'est une forge. Il devait y fabriquer des coutelas. En garde, marin d'eau douce. Cool. Je faisais un pirate. Ouais, j'avais compris. Je voulais juste te faire... Je sais. Tu ferais un très mauvais pirate. Tu penses qu'ils en vendaient à d'autres colonies? Si c'était le cas, ils devaient le faire en dehors de l'île. Autrement, on aurait entendu parler de cet endroit. T'as raison. On dirait qu'on a trouvé la taverne du coin. C'était loin d'être des enfants de cœur. C'est très rustique. Des tables cassées, des bris de verre. C'était loin d'être des enfants de cœur. La vue est pas mal. Hey. À la tienne. Ouais, à la tienne. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Qui ça, les colons? Ouais. Imagine que t'abandonnes toute ta vie pour suivre des criminels comme eux. Tu fais quoi après? Bah, tu sais... Tu prends du bon temps. Tu te poses quelque part. Tu picoles avec tes potes. Franchement, il y a pire. Ouais, sûrement. Il devait quand même vivre avec la statue d'Avril.
Ça t'arrive des fois de te dire que peut-être, si on avait fait d'autres choix, on aurait tourné autrement. Tu veux dire si t'étais devenu un vrai magicien? Non, ça c'était juste au cas où. J'étais très doué. C'était pas viable comme projet. Tu veux que je te dise, t'étais jaloux. Tu l'as toujours été. Non, mais je veux dire, à quoi pourraient bien ressembler nos vies si on s'était pas lancé à la poursuite de ces personnes qui ont vécu dans les temps anciens? Est-ce que tu crois qu'on aurait des vies un peu plus, je sais pas, ordinaires? Ordinaires. Tu veux dire, comme ces gens qui se réunissent autour d'un dîner à Thanksgiving pour se montrer des photos de leurs roches. Un truc comme ça? Merci, mais non merci. Très peu pour moi. Les choix qu'on a faits me conviennent. Ouais. Ça me rappelle quelque chose. Tu te rends compte? On a énormément de chance. T'appelles ça de la chance? Ouais. Bon, évidemment, moi j'ai passé les 15 dernières années derrière les barreaux, alors tout est relatif. Là, tu marques un point. C'est vrai que c'est 1000 fois mieux que la prison. Bon. Plus rien à boire. Le service laisse franchement à désirer dans ce boui-boui. Hé, hey Sam, vise un peu ça. On dirait comme un code de conduite pour pirates. Je croyais que tout l'intérêt de cet endroit, c'était de vivre sans règles. Même les pirates ont leurs propres règles. Des os de chevaux. Ils sont encore attachés. Comme s'ils avaient été abandonnés là. Je sais pas. Les gens sont peut-être partis précipitamment. Ou alors ils ont été capturés. Il y a un truc qui tourne pas rond ici.
Qu'est-ce qui s'est passé, d'après toi? Comment ça? Toutes les bonnes choses ont une fin, c'est connu. Tu sais, je plaisante à propos d'un trésor de pirates maudits, mais après avoir entendu toutes tes histoires... Ben, en général, la meilleure explication, c'est la plus simple. J'ai bien dit, en général. Imagine un peu cet endroit tel qu'il était à l'époque. Et les boutiques ouvertes, les vieux pirates revêches qui traînaient dans les rues, l'odeur du rhum. Les jacasseries incessantes de ces pipelettes de perroquets. Les gens qui vivaient leur vie, loin de la menace de se faire arrêter par les autorités. Capitaine Avery, je me demandais quand on allait vous voir. Regarde ça, il y avait des familles. C'est bizarre quand même. Où est-ce qu'ils ont bien pu tous disparaître? On dirait qu'ils ont été enlevés. C'est quoi ce symbole? J'en ai vu quelques-uns quand je venais te retrouver. Alors qui peut bien marquer ces endroits? Est-ce que c'est une sorte de sceau? Non, enfin pas que je sache. Des envahisseurs peut-être? Ils devaient avoir un bon paquet d'ennemis ces gars-là. T'as sûrement raison. Hé hey Nathan, regarde ça! J'aurais aimé prendre une photo de moi là-dedans. Si seulement on avait un appareil photo. Si tu veux, je te dessine dans mon journal. C'est vrai? Ouais. Génial, c'est clair, mais comment on va s'y prendre pour atteindre ce bâtiment avec la tour? Même dans une ville de pirates, il faut bien un endroit où enfermer la racaille. Qui est-ce que les pirates pouvaient bien mettre en prison? C'est carrément hypocrite, une ville de pirates avec une prison. Bah, tu sais, il y a des cons partout, hein. Même chez les pirates. Par ici, suis-moi. Hé, hey Sam, viens voir. J'ai trouvé quelque chose. J'arrive tout de suite. Oh, ok, je crois qu'on rentrera pas par là. Ça devait être une planque ou un truc du genre. Peut-être, mais de qui il vous laisse cacher? D'eux-mêmes? Regarde ça. On dirait que c'est un plan du quartier commercial. Ouais, et... boum, voilà notre trésor, juste là. Tu vois, elle est là, la tour. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de préparer? Si
Tiens, voilà encore ce symbole. Ah ouais? Tu sais, si ce symbole était celui d'une force d'invasion, je pense qu'on l'aurait pas trouvé dans une planque souterraine. C'est vrai, il y avait peut-être des problèmes au paradis, une société secrète, ou des rebelles. Toutes les hypothèses sont envisageables. Tiens, voilà notre sortie. Je vois de la lumière là au fond. C'est pas vrai. Hey, j'ai trouvé le reste de la colonie. C'est bon. Prends autant de munitions que tu peux. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. D'après toi, c'est nous qui le cherchons ou le trésor? Connaissant Rafe, les deux.
venir d'autres types de shoreline. Direct au bloc de Rix avait raison. Il était temps qu'on ait droit à une vraie paye. Il tire, petit frère. On a un type blindé. T'en vois d'autres ? Ou la voie est libre ? Je pense que c'est bon. Tout va bien ? Ouais, juste un peu essoufflé. Allez, Sam ! C'est stable, ce truc ? Aussi stable que tout ce qu'il y a autour de nous. Oh, ok, alors non. Bon, bon, j'arrive. Attends, on a encore la compagnie. Oh, cet endroit est en train de tomber en ruine. Attention, ça risque de faire basculer tout le bâtiment. Hey, t'as déjà fait un truc comme ça ? Quelques gouvernements ont pillé des villages. C'est ça. Ça, c'est tout. Thank you.
s'effondrer. On va toucher la rivière. Ils seront bientôt là. Ok, messieurs, on reste sur le qui-vive. Tout doit être super nickel pour l'arrivée de la bosse. Pour l'instant, on ferait mieux de pas moisir ici. Ok, cherchons un moyen d'avancer. Ouais. Allez, prêt ? Je suis prêt. Ok. À toi. Merci. Attention, c'est très haut. Ouais, je vois. Ok. Oh, oh, merde! Ouh! Attention à la première marche! C'est délicat. Ouais.
L'échelle est cassée au milieu. On va faire avec. Continue de monter. Alors, tu t'en sors ? Il y a une sacrée vue. Encore un effort, Sam. Fais-moi confiance et suis-moi, d'accord ? Ouais, quelque chose comme ça. On doit être arrivé dans le quartier chic. Mais c'est pas résidentiel pour autant. Qu'est-ce que t'en penses ? Un bâtiment administratif ? Probablement. Peut-être que Libertalia avait un hôtel de ville. Ouais, peut-être. Et peut-être même qu'il payait des impôts. Qui sait ?
Putain de merde. Ils étaient donc là, nos fameux colons disparus. Certains d'entre eux, du moins. Putain. Des canons, des barricades de fortune. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Sûrement un genre de bataille. C'était pas vraiment une question. La vraie question, c'est qui se battait contre qui et pourquoi? Certains de ces squelettes ont l'air... C'était donc les colons contre les soldats. Et si le trésor se trouvait là-haut? Alors on dirait que quelqu'un était venu pour faire un retrait. Ouais, bah espérons que ce quelqu'un n'a pas réussi. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est Rafe? Non. Ça fait des siècles que personne n'a mis les pieds ici. Ok. Bon. On cherche des indices? Ouais, on cherche des indices. Vide.
Vêtements sophistiqués, une sorte d'uniforme. T'étais un garde ici, non? Beau travail. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bonne question. Et si... Peut-être qu'il reste rien du trésor. Imagine, ils dépensent tout dans les sols en marbre. Et quand les colons découvrent que leur argent a disparu, ils pètent les plombs. Ouais, peut-être. Capitaine Avery. T'as sûrement été en meilleure forme. Rien du tout. C'est quoi ça? Vieux manifeste, plein de trésors. Hey Nathan, regarde ça. T'as quelque chose? J'ai trouvé une pièce. T'as vu, c'est le sceau d'Avery. Il a dû faire fondre l'or et frapper sa propre monnaie. On a donc une pièce et des étagères pleines de manifestes. Le trésor était là. Ouais. Mais ça nous dit toujours pas où il est maintenant. Ok. Alors, on sait que dehors, ça s'est bagarré sec. Et à l'intérieur aussi. Tu penses que les colons l'ont volé? Non. Je crois qu'ils voulaient récupérer ce qui leur appartenait. Regarde. Là, c'est Avery. Tu. Et tous les fondateurs. Tous sont désignés comme voleurs. Pas assassins, pas tyrans. Voleurs. Alors, quand les colons ont fini par débarquer là... Le trésor était déjà loin. Tout juste, parce que ces gars-là s'en étaient déjà emparés. C'était loin d'être des enfants de cœur. C'était loin d'être des enfants de cœur. Je sais où ils l'ont emmené. Quoi ? Où ? C'est une carte ? Ouais, juste là. C'est notre trésor. C'est une carte de Libertalia. Et si tu la suis jusqu'à l'autre côté de l'île, juste là. New Devon. Attends, Avery était du Devon en Angleterre. Exactement. Est-ce que t'as vu la taille de ces baraques? C'est impressionnant. Et chacune d'entre elles porte son propre sceau. Oui, parce que c'est là qu'il vivait. La prochaine étape, c'est de grimper en haut de cette tour. Qu'on sache où on est. New Devon, nous voilà. Bon, comment on monte là-haut? Ok, t'es prêt ?
Oh, ça c'était l'étape 1. Étape 2 maintenant. Soulevez le chandelier. Ok. Pourquoi t'as l'air tout gros ? Accepte juste le compliment. Merci. Voilà. C'est déjà beaucoup plus la classe. Tu peux te balancer jusqu'à l'autre chaîne ? Excuse-moi. Oh, pardon, commandant. Baldridge. Quoi ? Marche sur Baldridge, là. Bon, et alors ? Allez, on monte. J'arrive pas à croire que ces escaliers soient intacts. Hé, parle pas de malheur. Oups, je parlais trop vite. Qu'est-ce que j'avais dit ? Oh, c'est pas génial ? Bien sûr. Hey Sam ! Quoi ? Rien, je voulais vérifier que t'étais pas écrasé comme une grosse merde. Regarde-moi ça ! Et voilà tout excité.
Je te fais monter ? Avec grand plaisir. Allez, t'es prêt ? Je suis prêt. Ok. À toi. J'ai trouvé quelque chose ? Attends, bouge pas. La vue est imprenable, hein ? C'est juste là. De l'autre côté de cette rivière. Allez, ne traînons pas là. On va voler les riches, hein. Hé, hey, y a un chemin qui descend par là. Si on veut, allez. Alors, tu crois qu'on en a pour combien de temps à aller à New Devon ? Quelques heures. Tout dépend sur qui ou quoi on va tomber. Okay.
Salut Nadine, quel plaisir de te revoir. Aïe, ok, ok, pastèque. À quoi est-ce que tu joues là? C'est mon signal de détresse. Faut toujours que tu fasses le malin. C'est plus fort que moi. C'est ça. Ton frère et toi, vous êtes sans doute les chasseurs de trésors les plus compétents de cette île. Quel dommage qu'on soit adversaire. Et pourquoi on ferait pas équipe? Avec un Drake? Non merci, j'ai déjà donné. Attends, attends, tu vas pas te demander. Non, je pensais pas que ça serait aussi violent. Ça dérange pas. Je vais bien trouver le chemin. Après tout ce que j'ai fait, tu crois vraiment que je vais te laisser t'en tirer comme ça? Je crois que ce serait une bonne idée, ouais. Oh, allez, Nadine, tu plaisantes, là. On sait que t'es une dure à cuire et tout, mais... on est quand même deux, là. Je te signale que mes hommes sont déjà en chemin. Tout ce que j'ai à faire, c'est gagner du temps. À moins que j'arrive à vous finir toute seule. Ah, c'est pas vrai. J'en ai ras-le-bol de cette île. Ras-le-bol de ton frère. J'en ai ras-le-bol de toi. Ça suffit comme ça. Mais lâche-toi. Allez. On peut pas faire une pause. Accroche-toi, Sam. J'arrive. Je suis presque seul. Nadine! Laisse tomber, Sam. Faut qu'on fiche le camp avant qu'il nous tombe. Oh, merde. Oh, du calme, du calme. On respire un bon coup. Comme c'est intéressant. Nate. Samuel. Posez vos armes! Tout de suite! Non. Rafe, pourquoi le contrarier? Vous en faites pas, Nadine, il vous fera aucun mal. Ces gars-là sont pas des meurtriers, ils sont pas taillés pour. Et t'es prêt à parier sa vie là-dessus? Je m'en fous. Tu l'as. Sam. Si je meurs, vous mourrez tous les deux. Ça m'est égal. Ne fais pas un pas de plus! Tu veux dire... comme ça? Sam, arrête ça tout de suite. Je t'aurais prévenu. Tu l'as! Rafe! C'est fini! Ne tirez pas, ne le tuez pas! Jette ça! C'est fini. Ok? C'est fini. Il vous fera aucun mal, Nadine. C'est pas des meurtriers. J'y peux rien, je l'en croyais pas capable. Samuel, tu vas bien? Tu te doutais que ce moment arriverait un jour. Hey! Pas besoin de faire ça. Tu nous tiens, n'en rajoute pas. T'es un homme d'affaires, alors contentons-nous de passer un marché. Un marché? Ah, tiens. Et qu'est-ce que t'as à me proposer? Continue, je t'écoute. Ok, ok. Alors, ce que tu veux, c'est le trésor d'Avry. On t'aide à le trouver. Et en contrepartie, je vous laisse en vie? C'est ça. Et puis, tu nous donnes une part. Il est vraiment pas possible, ce mec. Juste assez pour pouvoir lui rendre sa liberté. Sa liberté? Nathan. Ouais. Il en a assez bavé, non? Ce type qui l'a fait sortir, Hector Alcazar, il lui doit un paquet de fric. Wow. Attends, mais c'est quoi ces conneries, Nate? Hector Alcazar est mort dans une fusillade en Argentine, il y a plus de 6 mois de ça.
C'est moi qui ai fait sortir Samuel. Quoi ? Oh ! Waouh ! Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Sam, qu'est-ce que t'es allé inventer comme histoire avec Alcazar ? Vraiment, t'exagères ? T'as osé mentir à ton petit frère ? On perd du temps ! Ce sera pas long. Pour tout te dire, Nate, j'ai jamais vraiment arrêté de chercher le trésor d'Avery. Mais mes recherches n'ont jamais vraiment abouti, tu vois. Et un jour, j'entends dire que ce bon vieux Samuel Drake, une sommité en la matière, est vivant, mais aussi en bonne santé. Il n'y a pas eu de grande évasion. J'ai soudoyé le directeur de la prison et ton frangin est sorti par la grande porte. Ça fait 2 ans qu'il essaie de mettre la main sur la deuxième croix de Saint-Dismas. Et devine quoi ? On faisait équipe, lui et moi. Non. Et si ? Non, c'est des conneries. Bon. Sam, quelque chose à dire ? Nate. Sam, non. Non, me dis pas que c'est vrai. Écoute, le trésor d'Avery nous revient. Je pouvais pas le laisser... J'ai tout laissé tomber pour toi ! Mais attends, Nate, si ça peut te remonter le moral, moi aussi, il m'a doublé. Il m'a poignardé dans le dos en vous ramenant. Toi, le vieux schnock dans cette équation, et je vais pas te mentir, Sam, ça m'a vraiment... contrarié. Mais tu sais quoi ? C'est de l'histoire ancienne. Tu mérites pas ce trésor. Et toi ? On est tous les mêmes, des voleurs, non ? On essaie de déterrer des vieux trucs. Bref. Quoi ? Il est largement temps d'abréger. Sinon, je m'en charge. Vous avez entendu la dame ? S'il te manque un seul indice, tu pourras dire adieu au trésor. Tu l'as dit toi-même, tes recherches n'ont jamais abouti. Pourquoi tu veux pas l'admettre ? T'as besoin de nous. T'as raison. Enfin, à moitié. J'ai juste besoin de Sam. Non, attends, tu te trompes, t'as besoin d'en... C'est pas vrai. Nate ! Hé ! Nate ! Ouais. Voilà, c'est là. Je me demande qui peut bien vivre ici. Alors là, aucune idée. Mais en tout cas, c'est la bonne adresse. Ça fait déjà quelques jours que je surveille l'endroit. Y'a personne. Et nous y voilà. Waouh. Cet endroit est...